Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au programme spécial. Nous recevons le Premier ministre de la République dans un exercice hautement démocratique, un exercice de redevabilité. Il est vrai que depuis aujourd'hui, ça fait 2 ans que M. Sama Lukonde est Premier ministre du gouvernement des Warriors. Dans cet exercice où il doit rendre compte de l'action gouvernementale, nous avons le privilège de le recevoir sur ce plateau spécial et Françoise Bouella m'accompagne. Comme vous venez de le dire, c'est un exercice citoyen, un exercice de redevabilité, comme il avait fait une première fois à l'an 1 du gouvernement. Cette fois-ci, le Premier ministre veut converser non seulement avec les journalistes que nous sommes, mais aussi avec un échantillon de Congolais qui sont dans cette salle, qui auront le temps de poser des questions au chef du gouvernement. C'est une innovation parce que, Willy, il y a quelques semaines, le président de la République a bien voulu reconduire Jean-Michel Sama Lukonde à ce poste de chef du gouvernement. Il s'est succédé à lui-même. Il nous dira qu'est-ce qu'il a fait. Il va répondre aux Congolais, Willy. Monsieur le Premier ministre, avec votre autorisation, je vais demander à l'ensemble de l'assistance de s'asseoir. Nous allons rester debout. Nous allons nous rester debout parce que dans cette première partie, je voudrais informer l'ensemble des spectateurs que par respect pour la population, par respect pour la matière qui va être déclamée, donnée, nous allons rester debout avec le Premier ministre pour que le premier des Warriors puisse dire à la population ce qui a été fait. Dans un second moment, Françoise, nous aurons des questions du public et peut-être à ce moment-là, nous pourrions avoir les réponses du guerrier. Mais pour le moment, nous sommes dans la bataille de la communication. Monsieur le Premier ministre, vous avez été reconduit à votre poste, mais ça fait 2 ans que vous êtes dans une action. Et parce qu'il s'agit de l'action, nous allons y aller directement dans le fond de la question. Votre gouvernement est allé à l'Assemblée nationale avec des engagements précis. Vous avez circonscrit votre action dans 3 axes. Aujourd'hui, 2 ans après, quels sont devenus les axes que vous avez vous-même déclinés et qu'est-ce qui a vraiment été fait? Je vous en prie. Bonsoir Willy, bonsoir Françoise. Je suis, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver ici ce soir dans cet exercice dans lequel nous nous sommes inscrits dès le début de notre action gouvernementale, celui de la redevabilité. Nous avions dit que nous sommes un gouvernement qui a été placé sous la confiance de Son Excellence Monsieur le Président de la République, ensuite investi par le Parlement le 26 avril 2021. Et depuis ce moment où nous œuvrons pour la population, nous devons lui rendre compte. Il y a exactement 1 année, nous nous sommes livrés au même exercice. Nous avions fait ce que nous avions appelé en ce temps une ouverture de balle. Nous avons dit, le Premier ministre qui est le chef du gouvernement vient donner vraiment une vue d'ensemble de l'action gouvernementale. Et par la suite, ça va être suivi par chaque ministre qui est responsable de son secteur, qui va aussi rendre compte à la population et dire de manière détaillée, en tout cas plus détaillée que ce que je vais faire ce soir, ce qui est mené dans chaque secteur. Alors, nous avions été au Parlement et présenté une vision, en tout cas du chef de l'État, qui se déclinait en un État fort, prospère et solidaire. Voilà ce qui était voulu et on a décliné un certain nombre d'actions dans chacun de ces axes qui devaient être menés par les différents ministères sectoriels qui sont ici avec nous. Et je crois que dans le dernier exercice que nous avions fait, nous avions aussi rappelé les missions précises à l'intérieur de ces axes qui nous avaient été données. Nous avions en priorité la question de la sécurité qui nous avait été donnée comme première mission, bien sûr avec la partie est de la République démocratique du Congo qui était et est encore aujourd'hui le théâtre où nous subissons toutes ces violences et cette agression que nous avons vis-à-vis du Rwanda avec ses supplétifs du M23. Nous avions la question de la santé avec une mission qui nous avait été donnée, en tout cas, de mettre en place le système de couverture santé universelle, tout au moins l'amorcer.
Et nous avions aussi le devoir d'assurer la continuité de la gratuité de l'enseignement, parce que programme phare annoncé par le président de la République, constitutionnellement énoncé, et avec le devoir du gouvernement de maintenir ce qui avait déjà commencé dans cette action de la gratuité de l'enseignement. Mais à côté de cela, nous avions d'autres grandes questions qui venaient, notamment mettre en avant ces questions de bonne gouvernance. Nous avions pour devoir de pouvoir finaliser l'accord que nous devions avoir avec le FMI, mais à côté de cela, d'autres réformes qui devaient suivre pour pouvoir nous permettre d'avoir les moyens de notre politique. Donc je ne fais que nous remettre dans le contexte dans lequel nous étions et bien sûr avec d'autres questions phares du point de vue de l'organisation de l'élection, l'accompagnement du gouvernement du point de vue des moyens et de la sécurisation, et à côté, à la clé de cette question d'identification, finalement un recensement avec une mutualisation des efforts entre la CENI et l'ONIP pour arriver à cette carte d'identité et que finalement l'État congolais puisse reconnaître chacun de ses enfants. Monsieur le Premier ministre, quand vous regardez les chemins parcourus, nous allons entrer en détail tout à l'heure avec Françoise, est-ce que vous êtes un homme satisfait ce soir? Est-ce que le chemin parcouru correspond à la marche, à la détermination, à ce que vous aviez vous-même souhaité jusqu'à ce soir, aujourd'hui? Je crois que je me mettrai à ce moment-là à la place de la population que nous servons et me dire vraiment, est-ce que je peux considérer que d'où je suis, la population est satisfaite? Je pense que la réponse serait qu'elle n'est pas totalement satisfaite. Même s'il y a des avancées dans d'autres secteurs, ils ont encore soif à ce que dans d'autres, ils puissent voir d'autres avancées. Mais nous, du point de vue du gouvernement, nous restons concentrés sur la déclinaison de l'action que nous devons mener. Et de ce point de vue, nous avons des points de satisfaction. Ces points de satisfaction, je peux les donner à certains niveaux. On a parlé des trois axes qui nous ont été déclinés. Sur ces trois axes, nous avions la question de la sécurité, la guerre à l'Est. Et depuis ce moment-là, nous avions reçu une demande claire qui nous avait été faite à ce moment-là par non seulement la classe politique des provinces du Nord Kivu, de l'Ituri, et même d'une partie du Sud Kivu, sur le besoin d'avoir un état de siège. Nous l'avons mis en place en collaboration avec le Parlement. Et une fois que cela a été fait, nous nous sommes très vite rendus compte qu'il fallait absolument une montée en puissance de nos forces. Ça veut dire arriver à renforcer nos forces de sécurité. D'abord de l'armée, qui était demandée. Et là, vraiment un message pathétique qu'il faut lancer à notre jeunesse qui a répondu massivement à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsqu'il a été question de s'enrôler derrière nos forces armées pour faire face à cette agression que nous connaissons vis-à-vis du Rwanda. Et nous avons aussi voulu que dans ces zones, nous puissions travailler de manière à ce que, dans les processus dans lesquels nous étions engagés, pour les forces qui souhaitaient bien sûr se rendre et rentrer à la vie civile normale, mettre ce programme de démobilisation, de désarmement et de réinsertion sociale. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes avancés et nous avons dit que nous devions continuer cette action sans désemparer jusqu'à ce que nous allions avoir la paix dans cette partie de la République. Je n'ai pas besoin d'aborder, peut-être que je le ferai tout à l'heure, tous les autres aspects diplomatiques dans lesquels nous nous sommes lancés pour nous garantir ce succès. C'est un combat difficile avec à la tête Son Excellence Monsieur le Président de la République qui nécessite que chaque Congolais soit mobilisé pour garantir que jamais un seul centimètre de la République démocratique du Congo ne soit perdu. Bouyla. Monsieur le Premier ministre, vous reconnaissez sur le point de la sécurité qu'il y a beaucoup de difficultés, mais comment vous expliquez l'augmentation de recettes de l'État en ce moment où vous faites face, le pays fait face à une agression extérieure et on continue à réclamer que malgré cette embellie, la redistribution n'est pas équitable. Est-ce que c'était facile pendant ces deux ans de travailler avec ça?
Je vais mentionner qu'en ce qui concerne l'accroissement de recettes, ici, la République démocratique du Congo est à féliciter du fait de sa résilience. Parce qu'effectivement, lorsque le gouvernement se met en place, nous trouvons une croissance à 4,2 et nous venons d'une crise forte Covid-19 et il nous faut à ce moment-là garantir du point de vue non seulement de l'engagement que nous avions avec nos partenaires, à ce moment-là le Fonds monétaire international avec qui nous arrivons à conclure notre contrat FEC, celui qui est un appui budgétaire, et puis à côté de ça, nous avons un suivi en termes de bonne gouvernance à appliquer avec trois secteurs clés, notamment le ministère du budget, le ministère des finances, ainsi que la banque centrale du pays, qui forme cette troïka et qui doit vraiment travailler à la stabilité macroéconomique. Ces trois secteurs sont à féliciter parce qu'ils sont parvenus à maintenir un cap qui nous a permis d'avoir une croissance au-dessus de la moyenne. Je vais rappeler qu'en 2022, s'il faut parler seulement de l'année passée, nous étions à 8,5 de croissance alors que celle qui était attendue était à 6,1. Et nous avons voulu, au-delà de ça, rester dans ce qui nous avait déjà été édicté par le président de la République, c'est-à-dire travailler vraiment avec éthique et bonne gouvernance. Je voudrais ici, au passage, remercier le travail qui est fait à côté de nous par l'inspectorat général des finances, qui lui aussi reste dans le suivi de l'accroissement de nos recettes. Et donc ça nous a permis, effectivement, non seulement de maintenir un niveau optimal au niveau de ces recettes, je vais rappeler qu'en 2021, nous avions dépassé le budget qui avait été voté alors que nous n'étions pas encore installés. Et en 2022, nous avons pour la première fois depuis que la République démocratique du Congo est pays franchi la barre des 10 milliards pour atteindre 12 milliards. Et aujourd'hui, nous avions présenté ce budget de 14 milliards de dollars et l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, l'a relevé à 16 milliards de dollars avec assignation au gouvernement d'atteindre ces recettes. Je vais aussi rappeler que pour pouvoir y arriver, nous avions besoin d'avoir au niveau des régies, en tout cas, des méthodes de travail assez rigoureuses. Nous avions, si jamais vous vous souvenez bien, avec le ministre des Finances, présenté ce qui était nos projections budgétaires. Bien avant cela, nous avions passé des contrats de performance qui devaient être atteints. C'était vraiment des assignations précises qui avaient été données aux régies. Et nous avons démontré, fort heureusement, et je crois que là, c'est une plume d'or à donner à son Excellence Monsieur le Président de la République, qu'avec la projection que nous avions sur le programme du gouvernement qui avait été annoncé et sur lequel on nous avait demandé de donner un budget estimatif, nous avions annoncé 36 milliards de dollars. Et aujourd'hui, avec l'allure que nous avons, nous sommes en droit d'espérer les atteindre. Bien sûr, nous sommes dans un contexte mondial difficile avec cette guerre que nous connaissons avec la Russie et l'Ukraine, mais il nous est permis d'espérer et nous allons continuer ce travail sans désemparer. Monsieur le Premier ministre, évidemment, pendant des longues années, dans notre pays, chaque fois qu'il y avait un problème de crise, chaque fois que la population se plaignait, les dirigeants disaient qu'il n'y a pas de moyens. Vous, au moins, vous n'avez plus le prétexte de dire qu'il n'y a pas de moyens. Les moyens, donc, sont arrivés grâce à cette bonne gouvernance. Nous allons essayer d'examiner dans la partie qui va venir comment le peuple, qui est le destinataire de toutes les actions, a ressenti l'action du gouvernement. Si, avec votre autorisation, nous allons vous demander de vous asseoir, de prendre place, pour que nous puissions passer à la deuxième partie. Ceux qui nous suivent, vous n'avez pas raté, nous sommes donc ici pour la rélevabilité. Dans la seconde partie, nous allons donner la parole à quelques personnalités de la société civile, des opérateurs économiques, des professeurs d'université, des syndicalistes, des magistrats qui sont venus et qui ont formulé le désir de parler au Premier ministre directement. Nous allons donc commencer ce que nous appelons la conversation avec le gouvernement. Je profite de l'occasion pour saluer aussi ceux qui sont avec nous, les différents vice-premiers ministres que je salue, les ministres d'État et les ministres de la République qui ont accompagné le Premier ministre. Je n'avais pas l'occasion de vous saluer, c'est le moment pour moi de vous saluer. Je salue aussi le grand public qui est là,
avec Françoise Bouella, nous allons commencer donc cette seconde partie. Voilà, Willy, exactement. Alors, on a eu certaines personnes dans la salle qui se sont fait enregistrer, qui ont exprimé ce désir de converser avec le chef du gouvernement direct, sans intermédiaire. Ce n'est pas des courriers. Alors, j'ai vu le nom de M. Jonas Tchombela, qui est dans la salle certainement. Voilà. J'aimerais rappeler ici que le Premier ministre a facilité la tâche parce qu'il a regroupé trois axes de l'action du gouvernement. Un État fort, oui. Un État fort, un État prospère et un État solidaire. Nous allons commencer par l'État fort. Je suppose que vous avez certainement des questions à poser. Et je vous en prie, rapidement, nous prendrons votre question. Excellence, Monsieur le Premier ministre, on a besoin de rappeler ici l'engagement de votre gouvernement. Je reviens ici sur la question de l'organisation des élections dans notre pays. On a besoin de rappeler ici l'engagement de votre gouvernement, sa détermination d'offrir au peuple congolais les élections libres, démocratiques, dans le délai constitutionnel, au-delà de facteurs perturbateurs que vous avez évoqués tout à l'heure, l'insécurité à l'est, à Kwamutu, les difficultés qu'a la CENI d'enrôler les gens dans ce quartier-là, ma foi, mais aussi le problème des décaissements tardifs, qu'à cela ne tienne, mais ce n'est pas ça mon problème. Le fichier électoral actuellement est en plein nettoyage. Nous sommes en train d'attendre deux événements, la loi électorale, la loi sur la répartition de sièges, mais aussi l'audit du fichier. C'est là qu'il y a ma question. L'audit du fichier électoral. Nous savons qu'aux dernières élections, c'était l'Organisation internationale de la francophonie qui venait auditer notre fichier ici chez nous. Cette fois-là, celle qui dirigeait cette organisation, c'était une Canadienne. Actuellement, cette organisation est dirigée par une Rwandaise. Je veux savoir, est-ce que notre gouvernement va permettre, parce que le Rwanda est le pays agresseur de notre pays, il est spécialiste en technique d'infiltration, est-ce que nous allons accepter que l'OIF vienne encore cette fois-ci, parce que cette question relève de la souveraineté nationale, est-ce que nous allons accepter que le Rwanda ou bien l'OIF vienne encore cette fois-ci auditer notre fichier électoral et laisser nos données stratégiques à la portée de cette organisation qui risque de poser d'autres problèmes, de nous infiltrer. Merci. Évidemment, les questions sont assez longues. Vous allez poser la question directement. Je voudrais que nous prenions deux questions dans le sujet de l'État fort. Monsieur Joseph Tchombela, vous avez posé la question. Madame Joséphine Mbela est là. Maître Joséphine Mbela est là. Voilà. Prenez la parole, vous posez directement la question. Merci beaucoup pour la parole. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je pense que pour que l'on comprenne toute ma question, je vais quand même essayer de reprendre un peu les axes dans le programme d'action du gouvernement. En avril 2021, votre gouvernement avait été investi sur base d'un programme ayant une ambition de construire un État fort, prospère et solidaire. Dans les piliers 2.1, le grand 1, je veux dire, axe 4, paragraphe 25 et 26, et pilier 4, axe 12, paragraphe 66, votre programme avait pris les engagements, notamment d'installer toutes les juridictions administratives et judiciaires dans tout le pays en veillant à une meilleure cartographie judiciaire, construire et réhabiliter les infrastructures judiciaires et pénitentiaires équipées, libérer les budgets de fonctionnement du pouvoir judiciaire sous forme de dotation et créer au sein des parquets de l'ordre judiciaire des sections chargées des luttes contre la corruption, la fraude fiscale, le blanchiment des capitaux, ainsi que les détournements des deniers publics. Ainsi, ma question, je vais vous la poser. Comment expliquez-vous que 2 ans après, aucun résultat concret n'ait été réalisé par rapport à ces engagements ? Avec comme conséquence que l'accès à la justice, le fonctionnement de la justice, l'amélioration des conditions carcérales et la lutte contre la corruption restent sans solution. Et d'ailleurs, en vous entendant parler, vous n'avez pas mentionné la justice. Vous avez évoqué des autres questions en omettant la justice. Merci. Merci. Donc ici, je vais chaque fois essayer de rencontrer l'action gouvernementale que nous sommes en train de mener et les questions qui sont posées.
En ce qui concerne les élections, je vais rappeler que notre mission en tant que gouvernement, c'était de garantir l'accompagnement de la CENI, d'abord du point de vue financier, et puis à côté de cela, la sécurisation du processus. Et de ce point de vue, nous nous sommes engagés avec la CENI à ce que nous puissions avoir des décaissements réguliers à son endroit pour lui permettre de mener son action. Certes, cela arrive aussi dans un contexte où nous avons une situation sécuritaire à l'Est difficile et qui nous demande d'être le plus rationnel possible dans notre manière de travailler. Mais indépendamment de ces difficultés, aujourd'hui, nous avons assuré ce qui pouvait être fait en 2021, lorsque nous sommes arrivés, en 2022, pour atteindre un peu plus de 530 millions de dollars aujourd'hui. Et nous demandons à ce qu'avec la CENI, nous puissions travailler sur la rationalisation de ce budget. Il faut rappeler qu'ici, chaque fois, on a toujours mentionné le budget de la CENI comme étant celui qui est à 1 ou 1,2 milliard de dollars. C'est resté comme un peu une rhétorique. Mais ici, nous devons chaque fois essayer de nous adapter à nos moyens et garantir au fait des élections de qualité. Fort heureusement, nous avons en face de nous une CENI très responsable avec laquelle nous avançons à chaque pas et pour laquelle nous sommes obligés de répondre, en tout cas de manière conséquente, aux besoins qui nous sont exprimés. Maintenant, à côté de cela, vous avez mentionné aussi cette question sécuritaire dans laquelle nous sommes. Nous avons commencé l'enrôlement de tous les électeurs, du moins en tout cas la CENI l'a fait. Elle a fait une cartographie et elle est allée par étapes. Et aujourd'hui, elle est dans la zone la plus difficile. Il faut dire que même si, effectivement, à côté de ce qu'elle fait, elle a pu reconfigurer au fait ses bureaux en tenant compte des personnes qui sont déplacées, nous lui demandons tous les jours de maximiser le travail qui est fait, spécialement dans les deux territoires dans lesquels nous avons le plus de difficultés, sous les 145 territoires que nous connaissons, notamment au niveau du Rutshuru et au niveau de Irumu. Et donc, aujourd'hui, elle a commencé déjà cette question de collationnement, et c'est une étape importante, parce que d'abord, elle va déterminer, d'une part, le nombre de sièges par circonscription. Et puis, au-delà de ça, nous, ce qui est attendu, parce que j'ai parlé de cette question de mutualisation, ça va permettre à ce que, dans les accords qui sont prévus avec l'ONIP, il y a un transfert de ce fichier, une fois qu'il sera complètement bouclé et qu'il sera toiletté, d'avoir ce transfert qui sera fait à l'ONIP. Et finalement, pour la première fois depuis 1984, avoir le fichier initial de la population. Et l'ONIP va pouvoir continuer son travail pour les autres couches de la population et mettre des récépissés pour ceux qui sont éligibles à une carte d'identité et finalement aboutir à ce processus parce que c'est un engagement phare dans lequel nous nous sommes engagés et nous tenons absolument à y arriver. Maintenant, ce qui concerne la question, vous vous demandez si nous allons, souveraineté, accepter que ce fichier soit édité par l'OIF ou pas. Rappelez-vous d'abord qu'au moment où le processus commence, la CENI fait appel à tous les témoins. Elle veut que tout le monde puisse voir le travail qu'elle fait. Que ce soit les acteurs pro-pouvoir, que ce soit les acteurs de l'opposition, que ce soit la société civile dont vous êtes issus, que ce soit les organismes internationaux, ils ont le droit de venir et nous accompagner. Mais à la fin, selon la demande qui est faite par ces différents acteurs, parce que, rappelez-vous, même pour justement les élections passées, toute la demande qui avait été faite sur l'audit du fichier, il n'y avait pas que l'OIF, il y avait plusieurs organismes qui étaient là. Et la CENI décide de l'éligibilité de l'organisme qui peut venir auditer son fichier. Ici, nous avons deux organes séparés. Moi, je pense que tout ce qui sera mis en avant au moment de cette question, ça sera notre souveraineté. Parce que nous sommes souverains et nous décidons quel est l'acteur qui peut venir auditer ou pas. La CENI, qui a toute la responsabilité de donner une réponse en toute indépendance à cette question qui sera posée, tiendra compte de cette souveraineté, j'en suis convaincu. Alors, en ce qui concerne la question de Mme Joséphine, sur la question de la justice,
Tout d'abord, ici, il faut mentionner que c'est plusieurs réponses qu'il faut donner. Parce que dans la question, vous êtes revenu d'abord sur les conditions dans lesquelles sont traités notre personnel de justice. Vous avez parlé des infrastructures. Et finalement, vous êtes arrivé à un constat. Un constat de dire que rien n'est fait. Moi, je ne dirais pas que rien n'est fait. Moi, je dirais que dans ce secteur, nous avons aujourd'hui l'ambition de rencontrer la demande. Parce qu'il faut en tout cas reconnaître qu'il y a un déficit. D'où ce programme dans lequel nous nous sommes engagés de nous dire qu'il nous faut d'abord avoir ce recrutement des 5000 magistrats qui vont nous permettre d'avoir une meilleure couverture judiciaire. Et à côté de cela, nous voulons qu'à côté du programme sur lequel nous sommes axés sur les 145 territoires, de la même manière que nous avons commencé avec les bâtiments administratifs, nous puissions faire suivre à côté de ces bâtiments administratifs des bâtiments qui pourront permettre cette distribution de la justice, notamment ces tribunaux de paix dont vous avez parlé. Mais c'est un long chemin. Parce que c'est un grand chantier que nous avons trouvé. Nous avons décidé de nous y engager, autant d'ailleurs même que nous avons aussi ces questions carcérales, où aujourd'hui nous n'avons pas suffisamment de prisons dans le pays. Nous avons des prisons qui sont vétustes et pour la plupart surpeuplées, et sur lesquelles aujourd'hui nous allons sur des solutions innovantes. Je peux donner cet exemple qui est fait à Goma, par exemple, où nous faisons un partenariat pour avoir une délocalisation de la prison et finalement des plus grands espaces et des meilleures conditions. À ce stade, nous nous efforçons de mettre des moyens à la disposition de ces prisons pour pallier aux problèmes alimentaires ainsi que des soins médicaux. Ça reste toujours aussi autant de difficultés à rencontrer, mais nous sommes engagés, définitivement engagés, pour améliorer ce qui se fait dans ces secteurs et selon les réformes d'ailleurs importantes qui nous sont actuellement proposées au niveau du gouvernement par la ministre d'État et ministre qui a la justice dans sa gestion. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé des magistrats. Il y a un dans la salle, je crois, qui est du syndicat autonome des magistrats de la RDC, qui s'est fait enregistrer, qui a une question pour vous. Monsieur Issoufan Kanga. Merci, monsieur le Premier ministre. Nous reconnaissons les efforts de votre gouvernement depuis l'année passée. Sur le plan social, certes, il y a des avancées. Comme vous l'avez reconnu, il y a beaucoup encore à faire. Monsieur le Premier ministre, vous parlez de 5000 magistrats à recruter. Je reviens à la question, pour quelle infrastructure ? Au jour d'aujourd'hui, nous avons les cours d'appel, les parquets généraux, les tribunaux de grande instance, qui n'ont pas de bâtiments. Croyez-vous qu'avec ces recrutements, la prise en charge sera correcte et l'administration de la justice sera également correcte? Et également, ça fait bientôt plusieurs années. Nous espérions qu'avec votre gouvernement, les choses changeraient. Mais 2 ans après, les juridictions fonctionnent sans frais de fonctionnement. Comment la justice peut-elle être rendue sans frais de fonctionnement, sans infrastructure et surtout, dernièrement, des magistrats réhabilités qui, 2 mois durant, sont toujours impayés? Voilà. Donc, tout d'abord, je vais remercier M. le magistrat, M. Issoufan, pour la question qui a été posée, qui est un peu en relation avec la première question qui m'a été posée. Je l'ai dit ici, vraiment en toute humilité, que c'est un vaste chantier. Et nous avons voulu, en tout cas du moins du point de vue des infrastructures, le mettre à côté du programme des 145 territoires dans lesquels nous sommes axés. Parce que à ce moment-là, dans cette entité qui est choisie, on est sûr d'atteindre l'administré au niveau du territoire, là où aussi il y a une demande. Ensuite, un déficit du point de vue du personnel, c'est les 5 000 qui viennent.
mais que nous allons recruter de manière responsable. Ça me permet d'aborder peut-être une question qui va aussi se retrouver sur la question de la solidarité. C'est le travail que nous faisons au niveau de la fonction publique. Et ici, on parle d'amélioration des conditions de nos employés qui sont de la fonction publique. Ici, en l'occurrence, même si c'est un statut spécial aussi, les magistrats, c'est de rappeler que nous, et ça a été très honnête de le dire, ça fait plusieurs années que ce problème perdure, nous trouvons une situation où nous avons, d'une part, quelques personnes qui sont mécanisées, reconnues par l'État. D'autre part, nous avons des personnes qui sont avec nous, qui sont mécanisées mais sans revenus. Et puis nous avons ce que nous appelons des nouvelles unités qui sont dans différents services avec lesquels nous travaillons et qui ne sont pas aussi reconnues ni payées. Face à cette question, et ici je salue le travail qui est fait par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, apporter une réponse des plus pragmatiques. C'est de dire, nous garantir que finalement, nous appliquons une certaine justice sociale. Nous ne voulons pas, d'une part, continuer à améliorer les conditions des uns sans tenir compte des autres et ne même pas les reconnaître. Et donc, ce travail qui est fait pour arriver tous les jours non seulement à reconnaître ceux qui doivent être reconnus et leur permettre d'accéder à un revenu, mais à côté de cela, faire aussi un travail pour ceux qui finalement ont atteint l'âge de la retraite pour pouvoir les mettre à la retraite. Cette question reviendra certainement au moment venu et je pourrai donner encore un peu plus de détails, mais dans tous les cas, ici aussi en ce qui concerne les magistrats, le besoin d'aller de manière responsable et graduelle sur le recrutement qui doit être fait en garantissant finalement qu'ils puissent bénéficier à un salaire et celui qui a été dicté, celui qui sera dicté par rapport au budget. Voilà. Voilà, Monsieur le Premier ministre, nous allons prendre un peu de la hauteur. Il y a des femmes qui sont intéressées à la question de la prospérité, je ne sais pas pourquoi. Trois se sont prononcées. Il y a Madame Tissia Mukuna, CEO et fondatrice de la marque de café quinoise. Nous avons aussi Madame Andeka de l'ONG ACDIC, je crois. Et pour la FEC, qui est représentée dans la salle, nous aurons la question de Madame Bello. On commence avec Tissia Mukuna dans la salle. S'il vous plaît, le micro. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Alors, ma question aborde trois aspects. On dit que la RDC est un scandale géologique et qu'elle a la capacité de nourrir toute l'Afrique. Or, récemment, avec la pénurie de maïs dans le Grand Katanga, le ministre de l'Économie a fait le choix de tourner sa solution vers la Zambie et aussi l'Afrique du Sud. Monsieur le Premier ministre, pour développer l'entrepreneuriat et favoriser les PME congolaises, notamment créer des millionnaires, voici mes trois questions. Quand et comment comptez-vous stabiliser l'électricité en RDC, ce qui évitera aux industriels que je suis notamment de fonctionner sur groupe électrogène et donc d'être plus compétitifs? Quand et comment comptez-vous supprimer les taxes qui étouffent les entrepreneurs et pour lesquelles on ne voit aucune contrepartie et qui sont nombreuses et se répètent? Et enfin, quand comptez-vous, vous le gouvernement, être les premiers clients du Made in RDC? J'espère qu'on a prévu de boire du café la quinoise, que votre costume est au Cassol ou encore que les mobiliers viennent de Luc Ambrosio. Parce que sinon, vous ne soutenez pas les entrepreneurs congolais. Je vais bien sûr vous remercier, Madame Tissia, pour cette question. Tout d'abord, je vais mentionner que le monde a été choqué. Le monde a pris un grand choc. Lorsque nous avons connu cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, tout de suite, on s'est rendu compte de notre dépendance de l'extérieur. Pas seulement nous, hein. Les autres pays africains aussi, et même d'autres pays du monde. On s'est rendu compte pour la première fois, et je crois que beaucoup de gens
sont finalement allés chercher sur la carte où se trouvait l'Ukraine. Pays dont on n'entendait pas beaucoup parler, mais qui finalement fournisseur de blé à outrance dans plusieurs pays et fournisseur de plusieurs produits de première nécessité. Et donc, le choc, du moins ici ressenti, en République démocratique du Congo, c'est celui de dire nous devons faire face à cette difficulté. Première option, c'est de se dire, et ça peut répondre à une partie de votre question, c'est de se dire, pour ces produits de première nécessité, nous sommes obligés d'avoir une politique fiscale spéciale pour garantir que nous ne puissions pas avoir une inflation ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est une mesure phare qui est prise et ça permet de contenir un tant soit peu. Parce que même si aujourd'hui nous connaissons une certaine inflation ici chez nous en République démocratique du Congo, mais il faudrait aussi la comparer avec ce qui se fait à l'extérieur. Et je pense, si jamais vous faites cet exercice, que vous vous rendrez compte qu'ici le choc a été atténué. Première mesure qui est prise. Et donc, oui, on peut prendre des mesures fiscales parce que vous avez parlé des taxes qui pourraient être réduites, mais elles ne peuvent se faire que dans une certaine mesure et pour garantir aussi les recettes de l'État. Mais pour des produits de première nécessité, absolument, nous sommes obligés d'appliquer une politique fiscale spéciale et je pense que vous avez vu que sur ces TVA que nous avions annulée sur ces produits, nous avons pris des décrets pour renouveler au fait la décision que nous avions prise et cela pour garantir ce côté social de notre population. À côté de cela, comme autre mesure, parce que je pense que c'est important d'en parler, souvent on en parle moins, c'est que ici, chez nous, sur ces produits de première nécessité, nous sommes directement impactés par le prix du carburant. Parce que ce prix du carburant détermine finalement aussi le prix des denrées, du fait qu'elles sont déplacées, en tout cas des provinces productrices, vers les grandes agglomérations, comme ici Kinshasa, c'est le cas. Nous recevons des produits qui viennent du Congo central, du Grand Bandundu et par la voie fluviale du Grand Équateur. Et donc, nous, à ce niveau-là, nous avons dû prendre aussi des mesures. Parce que comme partout ailleurs, comme on l'a suivi au travers des ondes, nous aurions dû avoir une hausse, en tout cas drastique, des prix des produits pétroliers. Mais nous n'avons pas vécu ça ici. Et souvent, on pose la question, on dit, oui, on fait plus de recettes, mais finalement, ces recettes, où est-ce que nous les mettons? Nous les mettons dans nos rémunérations, parce qu'il faut garantir le fonctionnement de l'État, mais nous le mettons aussi dans d'autres secteurs clés pour garantir, justement, ces chocs que nous avons connus. Et là, le cas précis, c'est de dire, pour le carburant, que nous puissions subventionner, que nous puissions payer un manque à gagner sur le prix du carburant. Donc, en réalité, pour chaque Congolais qui s'est rendu à la station et qu'il a trouvé un prix à la pompe, sachez qu'une quotité d'un minimum de 1500 francs, et ça diminue ces derniers temps, a été pris par l'État et a garanti finalement que nous puissions maîtriser ces prix de ces denrées. Alors, je tenais à faire cette entrée en matière pour revenir maintenant sur d'autres questions qui sont revenues. En disant, tiens, il nous faut diversifier notre économie. Comment est-ce que nous travaillons sur la diversification de cette économie? Nous avons des secteurs clés dans lesquels nous devons produire, le Congo, scandale géologique, mais aussi du point de vue de l'agriculture, parce qu'on connaît notre capacité. On dit que nous sommes le grainier, si pas de l'Afrique, et même du monde, et qu'on pourrait nourrir le monde entier. Et donc, l'agriculture qui doit être mise en avant, la pêche et l'élevage, et le secteur productif en général, avec des développements de chaînes de valeur ici, chez nous. Fort heureusement, au niveau du gouvernement, parce que nous sommes un gouvernement de réforme, nous avons revu notre plan national stratégique de développement. Cela s'est fait avec notre ministre de l'Industrie, et déterminé, finalement, ce que nous appelons des zones économiques spéciales. Et dans ces zones économiques spéciales, nous garantissons une certaine priorité du point de vue de l'énergie, du point de vue fiscal, pour garantir que dans ces zones, nous puissions être compétitifs, nous puissions avoir de la valeur ajoutée et finalement rencontrer ces chocs. Aujourd'hui, nous en avons 6 en développement au travers de la République.
ici à Kinshasa, dans le Katanga, dans le Kassai, dans le Grand Kivu et bientôt à l'Équateur. Je suis sûr et certain que le ministre de l'Industrie, dans le cadre de la redevabilité, parce que chaque ministre devra le faire, je l'ai annoncé, donnera plus de détails là-dessus. Et à ce moment-là, on vous invitera, madame, vous qui avez cette industrie qui produit ce café, d'aller, de vous intéresser à ces zones, de vous inscrire pour avoir un espace d'exploitation et avoir accès à tous ces avantages que nous mettons dans ces zones économiques spéciales, et vous pourrez être compétitive. Et je peux garantir qu'à ce moment-là, tout le café, à côté de cela, on pourra même y mettre des incitatifs pour que votre produit soit mis un peu en priorité. Ça peut se faire avec le ministre du Commerce extérieur, du point de vue de ces incitatifs, et vous permettre d'être le premier produit congolais, en tout cas en matière de café, consommé ici. Et pour ma veste, soyez convaincus que prochainement, je vais consulter au CASOL. Merci. Monsieur le Premier ministre, avant que nous puissions aller au dernier élément qui est l'État solidaire, permettez que je fasse une petite incise sur la prospérité recherchée par nous tous. Comment se conjugue ce programme spécial? Comment est-ce qu'il s'accroche aux trois axes? À quel moment il peut garantir la prospérité dont nous avons besoin? Le programme des 145 territoires, c'est un programme phare du gouvernement qui découle, en tout cas, de la vision directe de Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a voulu rencontrer deux aspects. Le premier aspect, c'est d'abord le développement à la base. Ce développement à la base, avec une entité choisie, parce qu'on veut atteindre chaque Congolais, là où il se trouve. Nous avons pris, en tout cas, une entité de base phare, qui est le territoire. Et nous avons dit, dans les domaines dans lesquels nous nous sommes inscrits, du point de vue du développement, nous devons garantir que nous avons ce développement au niveau des territoires. Mais à côté de ça, c'est important de noter ici que ça rencontre aussi une juste redistribution de nos richesses. Parce que c'est ça aussi qui évolue dans cette action édictée par le chef de l'État. Et donc, nous avions déjà les secteurs qui nous avaient été donnés, la sécurité, un État fort, ça veut dire avoir une présence de l'État. Nous avons ciblé les bâtiments administratifs et nous avons dit à côté, nous aurons ces autres infrastructures qui viendront par la suite, du point de vue de la justice, du point de vue des prisons carcérales. Et puis nous avons dit, le deuxième axe dans lequel nous nous sommes lancés, j'en ai parlé, c'est la santé. Aujourd'hui, on parle de couverture santé universelle. Nous avons mis en place ces 5 structures qui doivent pouvoir l'accompagner. Nous sommes déjà dans des phases pilotes, comme ici à Kinshasa, avec ces 9 zones de santé où nous assistons déjà à une gratuité de maternité. Et puis, nous avons l'enseignement, où nous avons dit, aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité de l'enseignement a permis d'avoir un peu plus de 5 millions d'élèves, en majorité, d'ailleurs, je dis toujours, des jeunes filles, qui ont pu accéder, finalement, à ce système éducatif, permettant aux parents d'épargner un peu d'argent, mais aujourd'hui, il faut aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, c'est déjà une expérience et ça se vit. Mais ça demande aussi que nous puissions améliorer à partir de ce moment-là les conditions dans lesquelles nos enfants vont à l'école. Il faut améliorer la qualité de l'enseignement. Et ça passe par deux choses. Nos infrastructures, d'où ces infrastructures dans les 145 territoires. Et à côté de ça, ça passe aussi par l'amélioration des conditions de nos enseignants. Et là, c'est des nouvelles écoles qui sont mécanisées, un peu plus de 20 000, si jamais il faut donner une statistique, parce que c'est important aussi d'en parler. Depuis que nous sommes là, c'est plus de 20 000 écoles mécanisées, mais au niveau des enseignants, c'est autant aussi d'enseignants qui sont pris. Nous trouvons la situation avec près de 440 000 enseignants qui sont mécanisés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 600 000. Et c'est pour garantir finalement que ces enseignants qui sont motivés puissent garantir cette qualité de l'enseignement à nos enfants et leur permettre de construire le beau Congo de demain. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous rentrons vers la salle, Françoise Bouéla, pour prendre
le dernier carré des questionnaires, parce que nous allons demander à Mme Kavir Aïmakile de prendre la parole pour poser sa question. Il sera suivi par M. Christian Ngoï Djouba et Mademoiselle Joséphine Mawete. Joyeux anniversaire. C'est une artiste. Joyeux anniversaire au gouvernement Samalou Kondé. Joyeux anniversaire. Mes deux ans, artiste. C'est fait. Et nos félicitations, monsieur le chef du gouvernement. Merci. Oh, tous les artistes que je représente aujourd'hui, nous sommes reconnaissants et nous vous félicitons pour avoir enregistré la rumba, inscrit la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Au regard de cette avancée, quelles sont les stratégies du gouvernement pour que l'art et la culture congolaise, les artistes puissent être bénéficiaires concrètes de ces actions, des actions du gouvernement bien sûr, et qu'enfin les artistes puissent participer au développement durable du pays. Non seulement les artistes qui sont dans les grandes villes, mais aussi et surtout ceux qui sont dans les territoires là où il y a la guerre, comme à Rutshuru, Kanyabayonga, Masisi, au sud Kivu, Beni, où je suis native. Quelles sont ces stratégies, monsieur le chef du gouvernement? Je vous remercie. Merci. Monsieur Christian Ngoï Djouba, je vous en prie. Merci Excellence pour l'occasion de nous accorder. Je suis médecin. Je voulais poser deux petites questions. La première, qu'en est-il de l'amélioration en fait, des conditions sociales des médecins, notamment la prime de risque de plus en plus avec la dépréciation monétaire ne vaut pratiquement plus rien du tout. Alors, qu'en est-il des réajustements? Est-ce qu'on ne peut pas réajuster par rapport au taux du dollar, par exemple? Deuxièmement, les allocations familiales et aussi les transports de médecins. Et enfin, la situation des médecins non primés à ce jour, on en est où? Merci. Vous avez fini? J'ai une petite. Je vous en prie, alors, terminez. La toute dernière, c'est que compte faire le gouvernement par rapport aux infrastructures sanitaires? Surtout dans des territoires, dans des coins beaucoup plus reculés, il n'y a pas d'infrastructure médicale où vraiment les gens pourraient être pris en charge comme il faut. Que compte faire le gouvernement par rapport à cela? Merci beaucoup. Merci. Joséphine Mawete, présidente des étudiants de l'IFASIC. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Monsieur le Premier ministre, je vais commencer par saluer cette initiative, mais aussi, nul n'ignore qu'aujourd'hui, un diplômé produit en RDC, malheureusement, c'est un chômeur de plus. Il est vrai que le gouvernement a promu l'entrepreneuriat des jeunes, une initiative que j'ai vraiment saluée énormément. Mais que pouvons-nous retenir de la question liée à l'emploi des jeunes en RDC? Qu'en est-il de cela? Et quelle est la politique du gouvernement sur la création de l'emploi 2 ans après votre gouvernement? Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Je vais d'abord vous remercier, Madame Kavira, pour ce beau chant que vous avez offert à tous les membres du gouvernement qui sont ici avec moi. Merci pour vos voeux. Ensuite, je vais dire que vous contribuez parce que vous avez parlé au futur, alors que pour moi, la contribution culturelle ici, en République démocratique du Congo, partout, les artistes se prononcent au présent. Au passé, bien sûr, parce que nous avons tellement, finalement, de richesses culturelles ici, en République démocratique du Congo, et nous avons tellement de talents à venir que nous sommes convaincus que nous avons, en tout cas, l'une des plus grandes banques culturelles ici, en Afrique. Inscription de la rumba effectivement au patrimoine immatériel universel. Et puis, par la suite, tout ce combat qui est en train d'être mené pour que nous puissions avoir la restitution
de nos biens qui sont parsemés partout au travers du monde. Nous avons commencé avec la Belgique et nous demandons à la ministre de la Culture de poursuivre cette action dans d'autres pays. Mais ici, parce que vous avez parlé de vous, les artistes, c'est de mentionner qu'il faut vous protéger. En réalité, les instruments, les textes, nous les avons, mais au niveau de l'application, il faut les renforcer pour faire cette lutte contre la contrefaçon qui ne vous permet pas, à ce stade, d'accéder en fait, à vos droits intellectuels d'auteur. Et là-dessus, je vais mentionner que nous sommes dans une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique. Et le gros de l'art passe par ces voies numériques. Fort heureusement, lors de l'avènement du gouvernement, nous avons un ministère du numérique qui est mis en place. Et dans le cadre des réformes, parce que j'ai dit que nous sommes un gouvernement des réformes, nous avons finalement ce code du numérique qui va ouvrir cet accès à cette cybercriminalité et va permettre finalement que vous puissiez vous retrouver du point de vue de cette contrefaçon. Pour les personnes qui sont dans ces zones, malheureusement, nous avons cette insécurité. Je pense que le plus grand cadeau que nous pouvons leur donner, avant même d'assurer qu'ils puissent bénéficier de leur talent artistique, c'est la paix. Donc je voudrais vraiment que nous continuions à travailler sans désemparer pour cette paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et à travers cette paix, ça ne pourra que valoriser leur talent artistique. Mais soyez rassurés que nous sommes à vos côtés, à côté des artistes. Et d'ailleurs, une grande invitation qui est donnée par rapport aux Jeux de la Francophonie qui sont en train de venir, où nous avons un grand volet culturel, compétitif, et où nous devrons nous rassurer que la République démocratique du Congo est bien représentée et puisse nous rapporter des médailles ici à ces prochains Jeux. Alors, à côté de cela, on a parlé de la question des médecins. Je pense que j'ai décliné. J'ai dit que j'avais commencé. C'était comme si c'était prémonitoire, parce que je savais que j'allais encore m'y retrouver, parce que ça reste un secteur qui est le plus transversal possible. J'ai parlé de cette politique que nous avions au niveau de la fonction publique. Et dans cette politique, nous avons décidé d'avoir d'abord des cadres d'échange avec les syndicats. D'abord, l'organisme qui reprend tous les syndicats. Et puis, au niveau des différents ministères sectoriels qui ont, sous leur conduite, en tout cas un certain nombre d'agents assez représentatifs. Nous avons ici le secteur de la santé, nous avons l'enseignement primaire, le secondaire, nous avons l'enseignement supérieur, où tous les jours, nous avons choisi de maintenir un dialogue franc. Un dialogue franc qui permet d'aborder, en fait, ces questions en toute responsabilité. Parce que ici, il faut d'abord mentionner que nous trouvons un passif, mais au nom de la continuité de l'État, nous nous inscrivons à répondre aux engagements qui avaient déjà été pris, mais nous le faisons en tenant compte de nos moyens. Le secteur de la santé, et ici je peux vraiment le dire en toute ouverture, sans risque d'être contredit, parce que nous suivons cette question avec le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, mais aussi avec le ministre de la Santé, qui a bénéficié de plus de mécanisation possible. Toutes tendances confondues. Parce que dans votre secteur, nous avons bien sûr les médecins, mais nous avons le personnel de santé, en général, qui sont à côté de vous. Et la politique que nous avons adoptée, c'était de dire, si nous prenons les médecins, que font-ils seuls, si jamais ils n'ont pas d'anesthésiste à côté, s'ils n'ont pas d'infirmière à côté, s'ils n'ont pas du personnel qui peut garantir l'assainissement du milieu dans lequel ils travaillent. Donc, à côté des médecins que nous mécanisons, nous prenons chaque fois le soin de prendre les autres catégories. Et ici, je ne voudrais pas livrer ce qui se discute dans ces cercles-là où nous sommes avec les différents syndicats, mais nous abordons ces questions. Et aujourd'hui, c'est plus de 4000 médecins qui ont été mécanisés. Nous voulons continuer à le faire parce que la demande est encore grande. Mais nous tenons à ce que
nous puissions garantir cette inclusion salariale, que nous puissions reprendre ceux qui ne sont pas encore dans le système et améliorer par la suite dans les engagements que nous avons pris. Vous avez mentionné ces questions de transport, de primes de brousse, qui doivent être ensuite garanties, mais sans oublier ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'être repris dans le fichier. Mais c'est un travail que nous faisons et nous demandons toute la collaboration du secteur. Nous avons connu des moments difficiles, mais fort heureusement, aujourd'hui, c'est un peu apaisé, surtout que nous devons être solidaires par rapport à la question que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo. Mais nous avons garanti que nous allions faire, en tout cas, cet effort pour que dans les prochains trimestres qui viennent, selon les engagements que nous avons et selon la trésorerie, nous puissions rencontrer vos demandes. Ensuite, cette dernière question qui m'est venue de Mme Mawete, de l'IFASIC, la question de l'emploi. Tout d'abord, l'emploi, il vient du secteur privé. J'ai mentionné ici ce que nous voulons faire avec les zones économiques spéciales pour pouvoir garantir ces emplois qui nous viendront de par les investissements qui vont venir. Ça, c'est une première voie. La deuxième voie, c'est que nous faisons beaucoup d'incitations à l'entrepreneuriat. Nous disons, aujourd'hui, nous voulons voir plus d'entrepreneurs congolais. Et donc, au niveau du ministère des PME, nous avons mis en place deux instruments. Le premier, c'est l'ANADEC, c'est une agence d'accompagnement à l'entrepreneuriat, ici en République démocratique du Congo, pour des jeunes qui veulent se développer, prendre des conseils. Dans quel domaine est-ce qu'ils doivent finalement se lancer? Où est-ce qu'il y a de la demande? J'ai eu la chance de participer à un événement de Level Up où j'ai été invité et où on avait fait participer à un concours des jeunes dames. Et l'une d'entre elles, fort heureusement, a pu bénéficier de cet accompagnement. Pour moi, c'est un exemple. Je préfère ici le mentionner et peut-être inciter d'autres à faire comme elle. Un constat qu'elle a fait, vraiment des plus simples, c'était de dire comment est-ce possible qu'en République démocratique du Congo, avec tout ce que nous avons comme bois, nous importons des cure-dents. C'est un constat. Et c'était tellement vrai. Nous importons les cure-dents. Et donc, elle se dirige vers ce premier instrument où elle prend des conseils. Et puis finalement, elle va vers le deuxième instrument qui a été mis en place au niveau des PME, qui est le FONGEC, qui lui est un fonds pour l'entrepreneuriat et arrive, sur base du projet qui a été déposé et validé, à bénéficier d'un fonds de démarrage qui lui permet aujourd'hui de produire des cure-dents made in Congo. Et avec l'intention de remplir le marché, comme on l'a dit ici tout à fait, consommer congolais, et par la suite produire d'autres produits dérivés. Elle le fait à la base du bambou aujourd'hui, et on sait qu'aujourd'hui on a du papier à la base du bambou, on a des tissus à base de bambou, donc elle est lancée. Et donc, dans l'entrepreneuriat, nous estimons que ces deux instruments vont permettre à ce que nous puissions avoir de plus en plus d'entrepreneurs ici en République démocratique du Congo, et bien sûr avec le système du climat des affaires, ces zones économiques spéciales que nous mettons en place, avoir plus d'investissements et donc créer plus d'emplois. Voilà, Monsieur le Premier ministre, on va prendre la dernière vague, mais on commence par un énarque qui est dans la salle, Christian Mbidika, et qui sera suivi... en fait, là, on a pris le dernier aspect, hein, l'État solidaire. Nous prendrons également le chef de département médecine physique de la faculté de médecine de l'UNIKIN dans la salle. Je vois docteur Louise Kikontwe. Et nous allons terminer par voilà, le tout dernier, CAFCO. C'est une organisation de femmes, je crois. Madame Dora Zaki de CAFCO qui est dans la salle. On commence avec monsieur Chris Mbidika. Monsieur le Premier ministre, Excellence, aujourd'hui la fonction publique connaît plusieurs soucis, malgré les efforts fournis par l'autorité du secteur, ça il faut le reconnaître. Parmi ces problématiques, nous avons notamment le pléthore de l'administration publique. Nous avons le problème d'avancement en grade et la prise en compte des soins de santé, pour ne citer que cela. Face à toute cette situation, on se rend compte que la réforme de l'administration publique
apparaît comme une panacée, effectivement, pour résoudre ces différentes solutions, ces différents problèmes plutôt. Alors, ma question est de savoir quel est le niveau d'exécution de cette réforme. En outre, j'aimerais bien savoir quels sont les mécanismes que le gouvernement préconise pour recouvrir, faire recouvrir pleinement les droits statutaires des fonctionnaires. Merci. Docteur Louise, oui, et professeur à l'Université de Kinshasa. Allez-y, madame. Merci pour la parole. Excellence, monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement. Évidemment, on a dit que je suis professeur et poser une question serait difficile, mais je vais soulever des petites questions qui pourront faire comprendre ou vous faire comprendre à tout le gouvernement le problème justement qu'il y a dans le domaine de l'enseignement. Parce que pour avoir un État fort, solidaire et prospère, il faut une éducation solide et un suivi dans cette éducation solide. Alors j'aurai plusieurs axes, mais je vais aller vite. Je commence par le système LMD. Nous félicitons le gouvernement pour les efforts fournis pour l'arrimage au système LMD. C'est une réforme, une grande réforme, et dans cette réforme, il y a deux personnes. Il y a l'enseignant et il y a l'enseigné. Alors, malgré les efforts, il y a plusieurs questions qui restent encore sans réponse. Quelles sont les mesures prises pour accompagner l'enseignant à enseigner autrement? Parce qu'il faut accompagner cet enseignant, c'est tout un processus de changer sa façon de concevoir l'enseignement et de dispenser son cours. Il doit en fait jeter sa craie pour aller dans le numérique. Mais l'outil informatique n'est pas disponibilisé, ni pour l'enseignant, ni pour l'enseigné. Et vous serez d'accord avec moi qu'il est difficile pour un étudiant de se procurer un ordinateur. Mais le LMD ne peut pas se faire sans ordinateur. Les laboratoires équipés pour un enseignement de qualité sont une denrée rare. J'ouvre la parenthèse pour parler des cliniques universitaires qui sont un grand laboratoire, là où on forme la majorité de tous les médecins et de tous les spécialistes en médecine dans notre pays. Mais la réhabilitation des cliniques universitaires qui a été promise par le gouvernement au travers de la BCECO, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Et la BCECO a déjà libéré, mais on nous dit que le dossier traîne encore sur le bureau du ministre de la Santé. Nos grands clients sont les membres de l'État congolais, du gouvernement, Sénat et autres sociétés para-étatiques. Mais nous avons des millions, si pas des milliards, en francs congolais de factures impayées. Il est aussi un besoin de revisiter certaines maquettes de curricula. Comment cela peut se faire? Et même amener les autres maquettes dans tous les pays, dans toutes les universités du pays. Je crois que le gouvernement doit accompagner le ministre de l'ESU pour arriver à cela. Merci, professeur. Vous atterrissez déjà? Oui, je suis. Oui. Je vais atterrir tout de suite. Quant à l'approche de la couverture santé universelle, je voudrais juste dire ceci. Quelle est l'approche? Avez-vous pensé justement à l'aspect des maladies chroniques non transmissibles, à l'aspect de la dégénérescence physique, à l'aspect de tout ce que tout Congolais, vous comme moi, nous pouvons aujourd'hui avoir un AVC, aujourd'hui avoir une arthrose, aujourd'hui avoir des problèmes de maladies pulmonaires qui vont vraiment détériorer notre qualité de vie? Et pour atterrir justement maintenant, la femme, une professeure d'université, vous dit que c'est vrai, elle n'est peut-être pas une politicienne, mais dans sa mission, elle doit faire la recherche. Entre-temps, les frais de recherche ne viennent pas. C'est une parenthèse pour le ministre de l'ESU. Elle doit enseigner,
mais elle doit aussi aider la nation. Donc, elle a une mission, elle doit rendre service à la nation. Vous cherchez des femmes compétentes. Je crois que les femmes professeurs sont là pour permettre l'équilibration, justement, de la participation de la femme par rapport à la participation de l'homme dans les postes de responsabilité et de prise de décision. Et je vais terminer en parlant de l'étudiant. Cet étudiant-là qui doit justement maintenant dans le système LMD, l'étudiant a une grande part parce que c'est lui qui est au centre de sa propre formation. Comment voulez-vous que cet étudiant, qui est logé loin du campus, qui n'a pas de bourse, donc qui reste toute la journée affamé, cet étudiant, je salue entre parenthèses l'initiative de Transacadémia, qui est déjà une bonne chose, mais cet étudiant, même quand il prendrait Transacadémia, doit encore affronter les embouteillages. Et quand il arrive à la maison, il n'y a pas d'électricité. Mais nous, les enseignants, nous lui demandons d'être sur son ordinateur qu'il n'a pas et de participer à sa formation. Monsieur, Excellence, le Premier ministre de ce beau pays, dans vos trois axes, où nous mettez-vous? Quelle est votre priorité pour nous? Donc c'est ça. Merci. La question, en fait. Hein. Oui. Il y avait le contexte et puis la question. Il y a beaucoup de questions. Où est-ce que vous mettez tout ce Mais que... Mais nous prenons le dernier. Il reste oui, un dernier. Oui, Kafko, pour terminer. Merci, Excellence, de nous accorder la parole. Nous avons trois assez petites questions. La première, c'est, tout en saluant tous les efforts du gouvernement pour augmenter le nombre des femmes dans les instances de prise de décision, pensez-vous, Excellence, que cela est suffisant? Ce que vous avez déjà fait jusque-là. Sinon, quels autres mécanismes et stratégies avez-vous mis en place pour utiliser au maximum toutes les intelligences féminines inexploitées jusqu'alors dans nos partis politiques et dans tous les autres secteurs de la vie nationale? Deuxièmement, nous voulons savoir le volume du budget affecté au secteur pro-pauvre et particulièrement ce qui concerne le logement, l'accès à l'eau et à l'électricité, sans en dire plus. Et troisièmement, quel dispositif pour la sécurisation des femmes, des personnes et de leurs biens dans les chefferies, dans les milieux reculés, les villages et tout? Parce qu'apparemment, ceux qui sont au village ne sont pas sécurisés. C'est plus ici en ville, les autorités, les autres, mais pas ceux qui sont dans les territoires et là, dans les milieux reculés. J'ai dit, je vous remercie, Excellence. Merci, Madame Dora. Monsieur le Premier ministre Kafko, je crois que c'est le cadre de concertation de la femme. Très bien. Très bien. Merci. Merci d'abord à Chris, le jeune énarque, pour la question sur la fonction publique, une fois de plus. Tout d'abord, ici, toute la réforme qui est menée dans ce secteur, je l'ai rappelé. Et je reste convaincu que pour que nous puissions atteindre véritablement cet état fort, il faudrait aussi que nous puissions avoir cette administration forte et organisée. Et donc, ici, lorsque le gouvernement arrive, et dans le cadre des échanges qu'il a avec le Fonds monétaire international, il nous est demandé une maîtrise sur la masse salariale. Cette maîtrise de la masse salariale passe par la maîtrise des effectifs. Si vous êtes à la fonction publique, vous savez qu'il y a un programme permanent d'identification. Parce que cela va permettre d'assainir le secteur, nous permettre de savoir quels sont les effectifs, parce qu'il y en a. Et finalement, le bénéfice que nous allons tirer de ces effectifs va permettre d'une part, parce que nous l'avons déjà commencé, cette première vague des 10 000 personnes que nous avons pu mettre à la retraite. Et ici, c'est un pas que nous faisons. Il faut savoir que même un voyage de 1000 km, il commence par le pas, le premier pas. Nous le faisons et nous ne voulons pas nous arrêter parce que les statistiques nous indiquent quand même plus de 200 000 personnes qui sont éligibles à la retraite. Et au-delà de cette question, nous avons aussi ces personnes à ce moment-là que nous devons reconnaître.
mécanisée. Mais vous, vous êtes allé sur d'autres problèmes. Vous dites qu'il faut l'amélioration des conditions, il faut l'avancement en grade. Mais je crois qu'il faut répondre à ces premières questions que j'ai données et puis revenir aussi sur cette question de montée en grade. C'est autant de fichiers qui avaient déjà été déposés au niveau du ministère de tutelle, mais qui demandent à ce qu'il y ait une étude minutieuse qui soit faite. Comme ça, nous garantissons que la décision que nous prenons, même s'il s'agit justement d'une montée en grade, c'est la bonne décision. Ici, je ne vais pas rappeler d'ailleurs des actions qui ont été menées dans ce sens-là, en termes de reconnaissance. Nous avions la question du médecin qui avait été posée. Là aussi, il y avait une reconnaissance qui devait être faite sur des médecins qui n'avaient pas été admis sur statut. Je peux me tromper, c'était 1991. Et c'est maintenant que cela a pu se faire. C'est pour donner, au fait, toute cette intention, toute cette volonté manifeste que nous voulons d'améliorer, en tout cas, le secteur de la fonction publique, toutes tendances confondues. Et donc, vous avez demandé quel était l'état d'avancement. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans des évaluations permanentes que nous faisons sur ces questions d'assainissement. Et nous allons nous garantir, parce que cela aussi est une question de bonne gouvernance, que nous puissions faire aboutir ce programme. Et ça répondra de manière structurante aux questions que vous avez posées. Nous avons des questions conjoncturelles auxquelles nous devons répondre. Et sur le long terme, nous aurons la réponse. C'est certain. Alors, sur la question de l'enseignement, d'abord, je pense ici que professeur et docteur, vous avez voulu ici d'abord attirer notre attention. C'est ce que moi je retiens. Je pense qu'en toute humilité, dire qu'il y a une réelle difficulté sur le système LMD. Mais moi, je vais aller, je vais regarder la question sous un autre angle. Pourquoi est-ce que nous décidons d'aller vers le système LMD? Parce que nous regardons ce qui se passe dans le monde. Nous regardons les difficultés que nous avons à nous adapter. Le refus de la reconnaissance de nos diplômes à l'extérieur du pays. Ou même le niveau. Des fois, nous nous retrouvions avec des personnes qui, bien que licenciées, voulant appliquer peut-être des fois pour un doctorat, se retrouvaient face à des difficultés. Parce que le problème de reconnaissance de notre diplôme, étant dans un système qui n'est plus adapté au système mondial qui est celui du LMD. Et donc, nous prenons la décision courageuse d'aller dans cette réforme, d'avoir ce nouveau système qui se met en place. Parce que si nous ne commençons pas, nous n'allons jamais le faire. Nous n'aurons jamais les conditions idéales pour pouvoir y arriver. Et fort heureusement, nous avons un président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est très volontariste et qui est très déterminé et qui a donné cette impulsion, parce que ses craintes avaient été soulevées, a donné l'impulsion de dire, si jamais nous ne le faisons pas, nous serons toujours en retard. Il faut commencer avec le système. Mais à côté de cela, il faut aussi améliorer les conditions. Il n'y a pas que les ordinateurs à mettre à disposition, bien que ça fait partie du programme, mais ces infrastructures aussi. Vous avez suivi que nous avons commencé avec ce système qui devait être mis dans les universités, où nous devons distribuer de l'Internet gratuit avec des puces gratuites. Mais au-delà de ça, c'est les infrastructures. Et je crois que depuis bien longtemps, nous assistons non seulement à la rénovation des universités. Vous êtes à l'université de Kinshasa, vous savez ce qui s'y passe, mais aussi la construction de nouvelles universités, là où nous n'en avions pas. Ici, je peux donner l'exemple de Beni. Je peux donner l'exemple de Kisangani, où il y a ces travaux qui se font pour réfectionner. Ici, à Kinshasa, je peux donner ce qui se fait. Vous êtes dans le secteur, vous savez ce qui se fait à l'IBTP, ce qui se fait à l'UPEN et même à l'UNIKIN, comme je l'ai mentionné. Et donc, il nous faut améliorer les infrastructures. Il nous faut faire des facilités pour ceux qui n'ont pas encore accès
à un ordinateur, des facilités dans ces universités où ils auront droit à des bibliothèques virtuelles et un accès. Et puis finalement, il nous faut un accompagnement sur les enseignants. C'est tout un système qui se met en place et sur lequel, avec le ministre de l'ESSU, nous sommes très engagés et qui demande aussi que nous puissions y mettre des moyens. Mais nous demandons la collaboration du corps professoral qui, effectivement, travaille dans ces conditions difficiles, mais qui vont s'améliorer tous les jours parce que nous allons y mettre les moyens pour pouvoir y arriver. Et vous avez parlé d'autres questions. Au début de votre intervention, vous avez dit, vous êtes professeur, alors vous allez peut-être poser des petites questions, mais pas des questions. J'ai eu peur à ce moment-là, parce que je me suis dit, est-ce qu'elle va me mettre face à un examen? Parce qu'elle reste professeur. Et donc, finalement, sur ces autres questions, notamment sur notre politique de couverture santé universelle, vous savez que nous avons ces cinq structures qui doivent aller d'abord sur les premières endémies, celles qui frappent et qui ont le plus grand taux de mortalité, avant de rencontrer, parce qu'effectivement, nous avons ces questions des AVC qui restent non seulement récurrents, mais qui sont assez dérangeants pour tout le monde. Et je reste convaincu que dans le développement qui sera fait dans le cadre de sa rédevabilité par le ministre de la Santé, il aura certainement à rencontrer tous les détails de la couverture santé universelle. Vous avez salué le travail qui est fait avec Tros Academia, où justement nous avons voulu faciliter ce déplacement des étudiants. Mais là aussi, il y a des attentes qui sont faites dans les provinces. Nous continuons à nous approvisionner en bus pour pouvoir aussi atteindre les autres grandes villes dans lesquelles nous avons des universités. Nous avons commencé à Kinshasa. Le but, c'est d'atteindre aussi les provinces avec ce programme et les faire bénéficier à nos étudiants. Alors, pour terminer, sur la question de l'implication de la femme, moi, je dis toujours que nous avons ici, en République démocratique du Congo, le champion de la masculinité positive. Une très grande promotion de la femme qui est faite. D'abord, au niveau du gouvernement où je suis. Et je le dis toujours, mais j'ajoute toujours en toute humilité, que j'ai le gouvernement le plus genré de la République. Et avec volonté d'avoir donné cet exemple pour avoir de plus en plus de femmes dans les institutions. Nous ne manquons pas de femmes de talent, nous ne manquons pas de femmes de qualité. Madame la professeure Kikontou l'a rappelé en disant, mais tiens, vous cherchez, quelles sont les femmes qui peuvent vous être utiles en politique? Parmi les femmes qui sont dans le corps professoral, nous avons aussi des femmes de qualité. Je reste convaincu que dans cet élan qui est déjà lancé, où nous avons au niveau de la Banque centrale du gouvernement une femme, au niveau du Conseil d'État une femme, et encore cet élan que nous voulons voir ailleurs, c'est sûr que nous allons avoir de plus en plus de femmes dans les instances institutionnelles de notre pays. Mais au-delà de ça, je rappelle toujours que la loi électorale a institué cette fois-ci un système de gratuité de listes pour celles qui auront 50% des femmes. C'est pour pouvoir garantir que dans notre assemblée constituante, qui est l'Assemblée nationale, nous puissions avoir plus de femmes, même au niveau des assemblées provinciales et finalement au Sénat. Alors, on a posé des questions sur la question de l'eau, de l'électricité. Ici, je vais rappeler d'abord que dans les grandes agglomérations, il y a tout un effort qui est fait pour améliorer l'accès à l'eau. Il y a des exemples que je peux donner, des inaugurations que nous avons faites récemment à Ozone, bien dans le programme de Lembaïmbou, et qui permettent déjà aujourd'hui, de manière sensible, dans certaines parties de la ville, de voir que nous avons plus d'eau. Mais là où nous avons besoin de voir plus d'accès à l'eau, c'est beaucoup plus dans les zones rurales. Et là, avec le ministère du Développement Rural, justement, nous avons des programmes, notamment le programme PRISE, mais à côté de celui-là, d'autres programmes qui permettent des adductions d'eau. Et nous voulons que dans le cadre du programme des 145 territoires, nous puissions avoir, chaque fois que nous avons une école ou un centre de santé
parce qu'on a parlé des infrastructures de santé à l'intérieur du pays, que nous puissions avoir à côté de ces centres des points d'eau, des points de forage, des systèmes photovoltaïques, un minimum en tout cas, qui pourra permettre qu'il y ait ce minimum d'énergie et d'accès à l'eau dans les milieux ruraux. Alors, c'est important aussi de noter qu'au niveau justement rural, dans ce même programme, des programmes de renforcement des capacités des femmes pour garantir leur protection sociale, surtout dans le domaine agricole. Mais au-delà de ça, parce que nous avons dit que nous avons cette responsabilité de la protection des biens et des personnes, j'ai donné le programme phare de recrutement au niveau de l'armée. Au niveau de la police, nous voulons faire exactement la même chose pour pouvoir nous garantir justement que nous puissions avoir plus de police de proximité dans les milieux ruraux et garantir cette protection dont vous avez parlé. Voilà ce que j'avais à dire et je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci. Vous avez accompli votre promesse, celle de rendre compte à la nation de l'action gouvernementale. Vous venez de passer plus d'une heure, non seulement avec nous les journalistes, mais aussi surtout avec des tranches vraiment très conscientes, et vous avez vous-même suivi la qualité des questions qui ont été posées aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, une nation prospère, une nation solidaire, une nation forte, mais ce doit être une nation unie. Maintenant, ce n'est plus la redevabilité, maintenant c'est la conscientisation. Je voudrais, pour terminer cette émission, que vous vous adressez à notre nation. Il y a certainement des gens qui n'ont pas été rencontrés par l'action gouvernementale, qui espèrent que demain passera peut-être l'appel qui va arranger leur route. Il y en a qui ont déjà été rencontrés par vos solutions. Mais tous sont des Congolais. Ce soir, ils veulent croire dans leur nation. Ils veulent se dire, même si nous avons des difficultés, nous restons une même nation. C'est à cela que je voudrais que vous puissiez adresser un mot ce soir et en cet instant précis. Mon premier message va s'adresser d'abord aux populations à l'est de la République démocratique du Congo pour garantir que nous ne le dirons jamais assez. Nous l'avons fait du point de vue diplomatique sur toutes les tribunes, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau de l'East African Community où nous siégeons, que ce soit au niveau de la SADC, nous avons porté la voix de la République démocratique du Congo pour dénoncer le mal qui s'y fait, cette agression que nous subissons du Rwanda et cette solidarité qui doit être donnée pour toutes ces populations qui souffrent, ces populations déplacées et qui ont besoin que tous les Congolais soient mobilisés pour cette cause qui est la paix en République démocratique du Congo. C'est d'abord à eux, en tout cas, que j'adresse le premier message et garantir que dans notre action, surtout cette question de souveraineté, nous rassurer, nous garantir que pas un seul centimètre de la République démocratique du Congo ne sera perdu. Ensuite, c'est dans tous ces programmes dans lesquels nous sommes lancés. C'est simplement de dire qu'il faut accompagner cette action, parce que ça nécessite l'implication de tous. Ça demande aussi de la patience. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que pour garantir cette résilience, j'ai parlé de cette question de l'agriculture, il nous faut des déplacements des biens et des personnes. Il nous faut des routes de desserte agricole. Nous avons un programme de routes de desserte agricole. Plus de 38 000 km qui seront faites dans le cadre du programme des 145 territoires. Et ici, l'innovation, c'est de toujours financer les programmes de manière à ce que nous ne puissions pas avoir des chantiers inachevés comme nous avons eu ici par le passé en République démocratique du Congo. Et donc, ces routes, nous devrons les faire ensemble. Nous devrons protéger ce patrimoine que nous allons construire ensemble et qui fera du Congo un grand et beau pays. Et aussi, c'est de rappeler que souvent, nous demandons de l'État. C'est une habitude, c'est un droit, parce que l'État a des obligations. Mais c'est important de noter aussi que chaque citoyen a des obligations vis-à-vis de l'État. J'ai parlé de la solidarité, du point de vue de notre souveraineté,
Mais au-delà de ça, parce que ça va venir avec le ministère des Finances, nous aurons aussi bientôt là ces échanges sur ces responsabilités fiscales de chaque citoyen congolais pour avoir les moyens que notre nation mérite, finalement l'armée et la sécurité que notre pays mérite et l'image que nous devons aussi avoir à l'extérieur du pays et même cette solidarité que nous voulons avoir entre nous, donc ces égalités dans toutes nos provinces. Donc merci. Voilà un peu le mot de la fin que moi je voulais donner. Tant à dire, beaucoup à faire et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci vraiment beaucoup. Voilà. C'est donc, Françoise, de la fin de ce programme spécial. Voilà. Un programme qui a été consacré à la redevabilité. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, nous allons... Et à très vite. À très vite. Parce que merci. L'exercice va se poursuivre avec... avec notre membre du gouvernement. Merci. Monsieur le Premier ministre. Françoise, voilà. Si oui, Willy, on nous termine près de deux heures d'échange. D'échange. Avec le Premier ministre, oui. Qui a parlé avec ceux qui représentent les différentes couches de la population. Je crois que humblement, il a reconnu ce qui a été fait et se lance dans la volonté d'améliorer les choses. Je crois que c'est ce qu'il faudrait retenir pour ce soir. Merci à vous tous qui allez nous suivre. Prenez le temps de suivre cette émission. Il y a des choses importantes qui ont été dites, mais dans la précipitation, peut-être que les meilleures parties vont vous échapper. Mais prenez le temps de suivre et on vous retrouve, Willy, très bientôt. Merci. Avec le même plaisir. Merci beaucoup. Merci soirée. À vous aussi. Merci.